Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une amulette luminescente pour aller sur mon Anutroph, Terre, Eau, Retrait PM, pour un stuff PVM farm. Donc on va essayer de viser un jet aussi perf que possible, sans dos neutre. Les dos neutres ne nous serviront absolument pas, et avec dommage distance, donc soit en le passant en exo conventionnel, soit peut-être en rune de transcendance, selon la façon dont ça se passe. J'ai 94 de puits ici, le PA qui tombe sur un crit. On va commencer tout de suite par la ravie. Ok, qui passe. Là, on va juste espérer avoir un moins 6 et un moins 5. Ok, je peux avoir le full perf. C'est vraiment cool. Je vais go maintenant. Je pense que je vais go sur rachat. Alors, faut que je fasse attention, j'ai perdu un de puits. Ok, moins 8. Je me tape moins 28 là-dessus, ça picote un peu. J'aurais pu y aller à l'appât, je me suis un peu posé la question. Je me suis dit, allez, on va être ambitieux aujourd'hui. Petite pas de poux qui passe. Moins 15. Larafo, ah, décidément. C'est un peu capricieux. Bon, bah c'est dommage, on avait les bonnes congruences. Je pense qu'on va avoir du mal à finir. Hein. Là, je me tape moins 40, j'ai plus de puits. Le PA qui passe pas. Tant pis. 94 de puits. Je vais mettre la ravie. Moins 20. On va go ini plus petite runinée par exemple, ce serait bien. Il y a moyen de choper un truc peut-être. Sur des malentendus, on peut retomber sur. Ah, moins 2, il me fallait moins 3. Bon. Bon, c'est ok. On fait un peu de sorcellerie là, tranquille. Est-ce que je force à l'appât ou est-ce que j'y vais à la rat sur les stats? En vrai, je vais y aller très, très tranquille, je pense. Est-ce que ça a tapé dans le puits là? Non, j'ai pas perdu de puits. On va y aller comme ça. Moins 2. On va voir comment ça se passe au niveau des stats. Est-ce que c'est du grid? C'est un peu pour test aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce genre de cas de figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 33. Ouais, ça pique un peu quand même. Ça pique un peu, tech. Moins 9, bon. Ouais, je pense qu'à Lara quand même c'est plus intéressant. J'irai plutôt à Lara pour la suite. On va mettre la petite Rasa qui normalement doit crit. Ah, le plan était un crit Rasa. Pas de PA. 94 de puits. Je vais go. Ravi. Pareil, là, il va falloir triquer un peu. Hop. Ok, c'est compliqué là par contre. Le moins 6 évidemment. Je pense que je vais y aller comme ça, regardez. Hop. Moins 30. Oh bah évidemment ça crit là-dessus en fait, mais forcément. Alors ça c'était pas le plan. Bah du coup je suis un peu embêté. C'est des prospes, ça. Ok. Je verrai ça maintenant. Eh, en vrai, c'est plus chaud que ce que je pensais sur le puits. Hein. Moins 10, il me reste 4. Je devrais peut-être terminer par la Rasa. Ou alors via les deux poux. Bon, je vais voir. Je continue un peu comme ça, on verra où je vais, mais. Je pensais que ce serait plus facile. 93 de puits. Bon, finalement, j'enlève les deux neutres. Pardon, pas les deux neutres, les deux poux. Puisque le sort qui met un peu des deux poux, c'est Bêche du Jugement, qui est la variante de Pelle du Jugement, qui est le sort haut qui retire des PM. Donc, bon, bah, je ne le prendrai jamais. Et je compte pas tabasser tout le monde avec des libés en permanence. Donc, voilà, je pense que je peux enlever les deux poux. C'est pas très handicapant. C'est pour du PVM, hein, je rappelle. En PVP, bien sûr que je les aurais laissés, mais. Donc 93 de puits, on peut avoir un full perf là-dessus. Je vais aller chercher Ravi. Bon. Bah super, hein.
On retombe un peu sur nos pattes. Du coup, j'arrête de compter le puits, hein, ça vaut pas vraiment la peine. Il va nous falloir une Rasa qui, évidemment, ne passe pas. Et le PA qui ne nous respecte pas non plus. Bah super. 99 de puits. Bon, ça va être un peu technique. En espérant qu'on se prenne pas des moins 50 à chaque ravi, parce que bon. En soi, là, je peux mettre une petite rune qui pèse 5 et une pod. Et on a notre perf vita. C'est pas trop mal. Je vais y aller comme ça. J'ai eu plus 0,1, moins 0,5. C'est pas faux. Bon. Ça devient un peu chiant en force là. Bah je sais pas, les runes ne passent pas aujourd'hui, c'est pas de chance. Du coup ça va être un peu compliqué de faire notre item si on ne peut pas passer les runes évidemment. Bon bah là il n'y a plus grand chose à espérer malheureusement, il reste 6. Pas de PA, yes. 95 depuis. Bon, je suis pas hyper serein pour la sagesse. On verra comment on peut s'en sortir, peut-être. Je vais mettre une ravie. Ok, ça commence plutôt bien. Petite rafo. Nice. Après, là, c'est la sagesse qui risque de foirer complètement l'attentat. La rachat, une fois, deux fois, trois fois, moins 30. Aïe, aïe, aïe. On va y aller comme ça. Allez, faut que je mette maintenant la sagesse. Hein. Ok, ça commence bien. J'ai un moins 6. Il faut monter à 49. Nice. Et écoutez, c'est pas trop trop dégueu. depuis. J'ai presque envie de compter si j'ai pas 30. Je remonte un petit peu l'historique, parce que si j'ai 30, je peux avoir deux tentats d'eau perdue. Ça peut valoir le coup. J'avais commencé à compter ici. Là j'ai moins 4, là j'ai 1,8, 2,8, 4,8. Ok, donc là j'ai 0,8 en rab, au-dessus du tacle. Là j'ai déjà plus 0,8. Là j'ai 7, 12, j'ai plus 2. Mais là j'ai un moins reliquat. Ah non, je pense pas que je les ai. J'ai peut-être un, mais. En soi, je peux tenter un crit à la réfixe. Non. Bon, j'ai 26. On peut faire 3 tentes à sagesse. Bah voilà. Je crit des sagesses et je monte à 50, moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah c'est pour ça qu'il faut jamais gaspiller le puits. Ça arrive des fois, quand même. Hein. C'est pas juste Grifox, le fou qui tend des trucs dans son coin. Il y a un intérêt à compter le puits et à tenter des petites runes. Hein. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on a notre 50 sagesse qui va nous optimiser notre trait PM, est-ce qu'on peut avoir une petite doperdi? Ah. Alors ça, c'est dommage, parce que ça aurait été beau. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 90 depuis. Bon, j'ai deux options, c'est soit je vais Rasa et j'accepte un moins 2 sagesse, soit je full spam la passa et j'espère qu'il se passe un truc. On va voir déjà la ravie. Ok, ça commence bien. J'ai envie de forcer la pacha. Peut-être la pire idée du monde, mais... Je veux voir ce qui se passe. 2, 3, 4, 5, 6... Ok, ça va, moins 18. Il me reste 61. Le truc, c'est que si je full spam la passa, je peux avoir full perf et éventuellement mettre une transe. Alors que si je crit une Rasa, par exemple, j'ai 4 tentats de dommage distance. Et là, on peut sortir à 2%, vous voyez ce que je veux dire?
C'est tentant. Allez, c'est parti. Le chat a tranché. Eh, ça aurait pu moins bien se passer. Hein. 8 depuis. Alors, en vrai, si j'ai le PA, ça prend une rune trans et c'est plié. Hein. C'est beau. Hein. Eh. Bon, c'est pas du full perf parce qu'il n'y a pas de neutre et il n'y a pas de pou, mais c'est quand même pas trop moche. Évidemment, je fais la petite rune trans direct. C'est bien Dodi. Hein. Dommage distance parce que je taperai avec mon arc et avec mes sorts. Tout simplement. Hop. Bon, c'est vraiment sympa. Je me pose la question, oui, c'est bien ça. Hein. C'est je taperai avec arc de Vulan à distance et avec des sorts de tout genre. Hein. Donc. Ah, attendez, j'ai un doute. Ah, j'ai un petit doute. Je vais revoir le stuff et le Theory Craft. Je vais pas la mettre tout de suite, du coup. Du coup, on va s'arrêter là, en fait. Je la repasserai plus tard. Écoutez, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Oui, bon, allez, en fait c'est bon, Dodi validé, bah du coup ça part. C'est bien signé, tout est en règle. Et voilà, c'est pas beau. Allez, on va partir en PVM avec ça, on va se régaler.